Hi there, I'm Valerie here with today's video and Hollywood news. It's official. 50 Shades of Grey movie casts Charlie Hunnam and Dakota Johnson as leads. More after this. Florian est enfin arrivé. Oh, il a un bracelet. Il en a plus besoin maintenant. Alors les enfants, comment vous le trouvez votre nouveau petit frère? Il est chouette. Je m'appelle Jung. Je suis né quelque part en Corée. J'ai quitté ce pays lorsque j'avais 5 ans. Parce qu'un jour, au bas d'un papier, quelqu'un a écrit « Recommandé pour l'adoption ». Et voilà, t'es chez toi. Moi, c'est en Belgique que j'ai atterri. Ma nouvelle maman, je ne peux pas dire qu'elle était patiente. Et voilà. Je l'aimais comme elle était. C'est quelque chose d'avoir 4 enfants. 5 enfants. Oh, je suis désolée. J'oublie toujours ton petit asiatique. Il y a évidemment un avantage à ne pas connaître ses parents naturels. On peut les imaginer comme on veut. Dis-moi, Coralie, pour toi, est-ce que je suis vraiment ton frère? Pour eux, j'étais un des leurs. Tu me le passes? Pour moi, ce n'était pas toujours aussi simple. Voleur et un menteur et une pomme pourrie dans un seau de pommes mûres, ça pourrit toutes les autres. Là, c'est quand même beaucoup plus grave. Mais je ne comprends pas. Enfin, tu écoutes ce que madame la directrice nous dit? On m'a trahi. Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'on est des étrangers, c'est ça? Est-ce que je suis un gentil ou un méchant? Très méchant avec un sale caractère. Comme en vrai, quoi. Sinon, j'aurais pas été abandonnée. Oui, mais si on t'a adopté, c'est que tu n'étais pas si mauvais. Yeah. Qu'est-ce que tu fais en moitié nu dans ma chambre? Bah allez, va faire ton John Travolta ailleurs. Allez, Oust. The 50 Shades of Grey movie has been courting a lot of attention since Universal sent it down the production pipeline with acclaimed director Sam Taylor-Johnson at the helm. With the lead Snoutseeker, it falls on Taylor-Johnson and her screenwriter Kelly Marcel to create a cinematic experience that is more than an exploitative skin flick, while possibly having to elevate the questionable storytelling abilities of E.L. James as well. That's not to mention the mountain of stigma facing this property or the task of selling a highly explicit film to the masses. That's all for today. Subscribe to Film Is Now to keep updated on all the latest trailers and news from Hollywood. See you next time.